Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Vous le savez, l'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des commentaires, des analyses et des décryptages sur les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Alors pour ce dimanche, quatre sujets sont sur la table des débats. Nous parlerons de l'adoption du budget gestion 2019 par l'Assemblée nationale et des nouvelles taxes qui seront prélevées en 2019. Nous dirons un mot sur les négociations entre le gouvernement et les syndicats sur le prix des hydrocarbures. Nous parlerons aussi du procès du putsch manqué de septembre 2015 avec la comparution du général de gendarmerie Djibril Bassolé. Et enfin, nous parlerons de la République démocratique du Congo, notamment du report d'une semaine des élections dans ce pays. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de trois confrères de la presse nationale pour le moment. Nous avons avec nous Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour. Avec nous, Dabadi Zumbara du quotidien Le Pays. Bonjour. Bonjour. Zubaviel David Dabigué de la télévision nationale est avec nous. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Et nous attendons d'un moment à l'autre Aboulaye Tao de l'économiste du Faso. Merci pour votre disponibilité. Alors, l'Assemblée nationale a adopté le 18 décembre dernier le budget de l'État gestion 2019. C'est un budget qui se chiffre à 2 213 292 331 000 francs CFA en prévision de dépenses et 1 954 564 429 000 francs CFA en prévision de recettes. Un budget assez particulier. L'accent est mis sur la sécurité. Le budget, par exemple, du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants est passé de 169 milliards de francs CFA en 2018 à 209 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 23,41%. Celui de la sécurité connaît également une hausse de 38,99%. Alors pour le ministre en charge des Finances, la Défense et la Sécurité donc, ont eu des budgets revus à la hausse pour faire face à la situation sécuritaire. Dieudonné. Oui, c'est comme on disait, oui, ce budget présente aussi, peut-être qu'il faut le compléter, un solde global de moins de 17 milliards, oui. C'est-à-dire c'est un gap qu'il faut combler, ce qui représente quand même presque 3% du PIB national. C'est beaucoup, mais c'est vrai qu'on aura remarqué que c'est un budget qui a essayé de mettre l'accent sur certains départements comme la sécurité, il y a l'industrie aussi qui sera en fait les secteurs structurants aussi pour augmenter les potentialités financières du Burkina Faso en rationalisant les dépenses de l'État. Bon, j'ai écouté la grande argentière du Burkina qui a dit que c'est un budget responsable, pro-pauvre et tout. Bon, ça c'est bien, mais il faut quand même reconnaître, on aura le temps de revenir. Bon, avec le budget 2019, les contribuables croulent quand même sous les taxes et les impôts. Oui. On aura le temps de revenir. Donc, mais un budget, comme on dit, c'est la politique chiffrée du gouvernement. C'est avec ça que le gouvernement va pouvoir appliquer son programme.
Et on espère, et aussi on aura le temps de parler du fonds commun qui est intimement lié parce que bon, ceux qui sont chargés de collecter les impôts, on a vu en 2018 comment ça a été. Justement, pour rester sur l'aspect sécuritaire, est-ce que vous comprenez pourquoi donc le gouvernement a décidé en tout cas d'augmenter le budget du ministère de la Défense et de la Sécurité? Absolument. Quand Rome brûle, César, il prend les mesures vraiment idoines. Oui, je pense que c'est ça. Prenez en France. En France, si vous avez vu, il y a un an, l'ancien général, le chef d'état-major de l'armée française, le général de Villiers, il a démissionné parce que, justement, l'exécutif a rogné. Il y a eu un rabot sur le budget de l'armée et il voyait les choses venir. Et malgré ça, ça a rattrapé l'État parce que vous avez vu que les policiers qui ont vraiment contré la furia des gilets jaunes réclament des millions d'heures supplémentaires. Donc là-bas, quand on a diminué le budget des forces de l'ordre, le général Villiers. Donc je pense que le Burkina est en guerre, c'est une guerre asymétrique, mais je pense qu'il n'y a pas de quoi vraiment rougir ou vraiment faire des commentaires. Je crois que c'est normal qu'on ait augmenté ce budget de la sécurité parce que le Burkina actuellement est en guerre. Donc je pense que cela va de soi, à la guerre comme à la guerre. D'accord, oui. Zoubaviel. Oui, moi je pense que c'est un budget responsable, mais peut-être pas trop pauvre, parce qu'on aura le temps de revenir sur les taxes qui ont été instituées et qui devront être prélevées en 2019 et qui ne sont pas peut-être à la portée de tout le monde. Mais je pense que sur ce même plateau, à un moment donné, nous avons tous décrié le fait que l'État ne prenait pas ses responsabilités sur les questions sécuritaires. Ce sont des questions existentielles aujourd'hui par lesquelles il faut passer pour propulser le développement du pays. Sans sécurité, vous ne pouvez pas parler de développement. Alors, nous l'avons tous dit, des Burkinabés ont marché dans les rues ici pour réclamer que l'État prenne enfin ses responsabilités sur les questions sécuritaires. Alors, voir le budget des secteurs de la sécurité et de la défense augmenter, ça va de soi, ça répond à une logique quand même que nous avons réclamée. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que les gouvernants, tels que nous les connaissons aujourd'hui, utiliseront ces ressources à bon escient pour atteindre ces objectifs? C'est là toute la question. Parce que aussi, il y a cette crise de confiance entre gouvernants et gouvernés qui fait que, quand bien même on augmente des taxes pour prendre en compte des secteurs existentiels, on trouve à redire parce qu'on se demande est-ce que ces gouvernements que nous connaissons aujourd'hui là feront les choses telles qu'ils se doivent. Alors donc, c'est un peu ce que moi je vois de la lecture de ces deux secteurs et primordiaux de la vie nationale. Alors je pense que ça a été une bonne chose. Reste à savoir maintenant comment ces ressources-là seront utilisées. Est-ce que parce que parce que rien qu'hier encore, nous avons vu que sur le plan sécuritaire, il y a encore eu des morts. Oui. Alors juste parce que des véhicules ont explosé. Véhicule notamment donc qui a explosé faisant 3 morts. Voilà, sur faisant l'axe 3 morts. Donc aujourd'hui, si ces ressources-là peuvent permettre de renforcer la résilience de nos forces de défense et de sécurité, quoi de plus normal? Mais comme je le dis encore une fois, comment est-ce que ces ressources seront utilisées? C'est toute la question. D'accord, oui. Dabadi, vous avez des doutes également sur l'utilisation rationnelle et à bon escient de ces budgets alloués à la défense et à la sécurité? Bien sûr. Parce que, vous savez, de façon globale, on constate qu'effectivement, il n'y a pas cette volonté de rationaliser la gestion au niveau de l'État. On demande aux citoyens ordinaires de serrer la ceinture, mais au niveau de l'État, ce n'est pas la même chose. Et ça pose effectivement un problème. Sinon, je pense que ce budget, quand même, à mon avis, est beaucoup plus réaliste que celui-même de l'année passée. Et je pense que l'augmentation au niveau de l'armée, c'est-à-dire de la défense et même de la sécurité, se justifie à mon avis amplement. Mais le souci, effectivement, c'est ce que nous avons dit. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, mais il s'agit de bien l'utiliser pour que, effectivement, les résultats attendus soient atteints. Et à ce niveau, ben, on ne peut pas être optimiste quand on regarde de façon globale comment les fonds sont gérés. Régulièrement, on dénonce la malversation au sein de certains départements, mais généralement, il n'y a pratiquement pas grand-chose. Peut-être certains sont envoyés en garde à vue ou même à la Mako quelques temps après, bon, ils sont relâchés et puis après, il n'y a rien. Et donc, effectivement, on peut se poser vraiment des questions par rapport effectivement à ce volet-là. Sinon, on peut dire qu'effectivement, ce réajustement traduit effectivement les ambitions
du gouvernement. Et c'est heureux parce que nous avons toujours demandé à ce que les forces de l'ordre puissent avoir suffisamment de moyens pour faire face aux périls djihadistes. Et aujourd'hui, ben, quelqu'un vient de le dire, il n'y a que avant-hier, hier, je crois, il y a eu des attaques. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on a véritablement besoin de moyens pour doter effectivement nos FDA de suffisamment de moyens militaires et de moyens de protection pour que effectivement on puisse sécuriser davantage le territoire. Le territoire, oui. Tao qui vient de nous rejoindre. Ok, bon. Je crois que tout a été dit sur le budget de la défense et la sécurité. Tout le monde savait que c'est là-bas qu'il y avait des efforts financiers à faire. C'est là-bas aussi que tout le monde a sonné la mobilisation et le gouvernement est dans cette logique-là. C'était attendu, c'est venu. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant voir dans les proportions. Est-ce que, moi je ne suis pas technicien militaire, est-ce que par rapport à l'augmentation de l'enveloppe, ça va correspondre aux besoins exacts de notre armée pour l'année 2018 et 2019, par exemple. Est-ce que ça va être suffisant? Ça, il faut que des experts militaires nous disent. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un véhicule blindé, ça fait des centaines de millions. Combien de véhicules on peut avoir? Au titre de renseignement, combien de drones ou d'outils de renseignement on peut acquérir avec ça? Je pense que là, c'est un débat qu'il faut poser. Mais je pense que la loi de programmation militaire permet aussi à l'État de progressivement d'augmenter cette enveloppe-là et de voir à l'intérieur ce qui peut être fait. Donc je pense que sur le budget, cet aspect, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, au sein même de l'opinion, au sein des Burkinabés, il y a des efforts individuels et collectifs qui sont consentis pour essayer justement de soutenir la sécurité et la défense. D'accord. Autre aspect, hein, dans ce budget, on voit qu'il y a donc les investissements, par exemple, il y a moins 30% par rapport au budget de l'année 2018. Bon, je crois qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que si on regarde ce qu'on a vécu en 2018, il fallait s'attendre à ce que les investissements baissent en 2019 parce que le gouvernement a porté ses efforts sur des points stratégiques. Il y a la masse salariale qui est partie de près de 100 milliards. On verra d'ici la fin de l'année combien ça va être. Ça aurait pu servir à autre chose, mais on a des fonctionnaires, il faut bien les payer, il faut bien les indemniser. Il faut bien faire fonctionner les services. Et d'autre part, il y a les défenses sécuritaires que vous voyez, c'est un investissement prioritaire. C'est-à-dire que si le pays n'est pas tranquille, on ne peut pas travailler. Donc il fallait s'attendre à ce que ces investissements-là baissent. Mais est-ce que pour le pays, c'est bien? Oui, justement, c'est ça la question. C'est bon, on a un pays peut pas avoir. Si on baisse les investissements, est-ce qu'on peut atteindre les objectifs? C'est une interrogation que tous les Burkinabés doivent se poser. Est-ce qu'on est en phase avec nos priorités? Parce que le problème, on a d'un côté des gens qui disent, mais s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement. Il y a des gens qui disent, mais il faut bien payer les fonctionnaires. Il y a des gens qui disent, mais il faut investir dans la sécurité. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps. Maintenant, il faut qu'on assume de façon responsable que cette année, on a accepté volontairement de réduire nos investissements pour préserver la sécurité et la cohésion nationale. D'accord, oui. Je pense que la question qui se pose sur la fonction publique est un faux problème. Parce que depuis des lustres, on parle de fonctionnaires qui avalent une partie du budget sans dissoudre la fonction publique. Mais si vous pensez que ça ne sert pas, il faut la dissoudre. Non, mais ça n'est pas pour le recrutement, par exemple, il y a eu moins. Oui, c'est une façon, 40%. Voilà, c'est une façon de parler, c'est une façon de dire que ce n'est pas forcément là-bas que le problème se pose. Les 30% de diminution des investissements se justifient aisément. Sans la sécurité, comment est-ce que vous pouvez investir? Par exemple, je prends un exemple concret dans la zone de l'Est et dans la zone du Sahel. Comment est-ce que vous pouvez investir sans apporter la sécurité? À quoi serviront ces investissements? C'est aussi là toute la question. Et ce qui peut-être va, à un moment donné, déranger les Burkinabés ou même peut-être le gouvernement, ce serait de voir que malgré la mobilisation des ressources, il n'y a pas de développement. Parce que tout ça va dans le secteur de la sécurité. Et la sécurité apporte, on peut dire que la sécurité permet quand même d'impulser un développement, mais la sécurité n'est pas le développement. Donc à un moment donné, les Burkinabés pourront constater que nous cotisons beaucoup, mais il n'y a pas des infrastructures de façon systématique, parce que le premier point que le gouvernement veut satisfaire, c'est de créer un environnement sécuritaire raisonnable, de sorte à ce que dans les prochaines années, on puisse investir ou que peut-être des expatriés ou autres puissent s'intéresser au Burkina Faso. Mais tant que la question sécuritaire n'est pas résolue, je pense qu'on ne peut pas parler de développement. C'est pour ça qu'on assume notre choix. Voilà, effectivement. Aujourd'hui, critiquer par exemple le gouvernement qu'il n'y a pas assez d'investissement, voilà, ça c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc il faut assumer le choix qu'on a fait
et ne pas trop. Il faut accepter les critiques sur la faiblesse des investissements, mais ça s'explique. D'accord, oui. Alors, oui. Je pense quand même que ça pose un petit problème, parce que, on l'a dit tout à l'heure, hein, la question sécuritaire aujourd'hui, vous avez besoin effectivement des militaires, certainement pour des actions militaires. Mais en même temps, il faut de l'investissement. Sinon, on ne va pas véritablement attaquer la racine du mal. Parce que c'est une question de proportion. Vous avez les terroristes qu'on peut, qui est physiquement, qu'on peut tuer, ça c'est le travail des militaires. Mais vous avez le terrorisme qui est une question d'esprit. Et tant que les populations des localités qu'on a citées seront dans la misère, mais écoutez, les terroristes auront toujours des informations. Et ils pourront réculter et la guerre va se poursuivre sans fin. On peut effectivement circonscrire ça dans le temps. Ça c'est faisable. Là, je reviens à ce que Tao a dit. Ça dit cette année, on dit bon, ok, on maximise sur les moyens militaires et l'année prochaine, par exemple, on maximise sur le développement, sur le plan, j'allais dire général, à travers toutes les régions du Burkina. Regardez aujourd'hui la force G5 Sahel. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que sur le terrain, les sauts font lentement alors que les djihadistes avancent. Parce qu'on a compris que sans le développement en douzaine, eh bien, on ne peut pas lutter contre le terrorisme. Oui, Zumbrana. Oui, mais tout ça, ça rejoint c'est ce qu'on appelle la question de la soutenabilité. C'est la soutenabilité de l'économie qui fait tout ça quand on parle d'investissement. Mais pour investir, c'est quoi? Il faut d'abord qu'on développe, qu'il y ait une plus-value, qu'on dégage cette plus-value-là pour investir. Et je rejoins ce que j'ai dit il y a quelques semaines de cela. Et pour cela aussi, il faut, comme l'a dit Tao, il faut créer les conditions, mais il faut aussi une classe moyenne. Il faut une classe moyenne au Burkina, je l'ai toujours dit. L'absence de classe moyenne au Burkina pose problème parce que même les fonctionnaires burkinabés ne constituent pas une classe moyenne. Chacun va à Dubaï, on va en Chine, on va où on vient payer des télévisions 4K, des motos. Vous venez pour... Après, on se plaint que ça ne sort pas ça. Mais il faut qu'il y ait le pouvoir d'achat conséquent pour que chacun puisse vraiment... Or, ce pouvoir d'achat, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la fonction publique. On nous dit la masse salariale, le ratio de la masse salariale sur les recettes domestiques, ça fait près de 55%. Voilà. L'an passé, c'était autour de 700 milliards. En 2019, ça a atteint les 836 milliards. Bon, ça pose un problème parce qu'on tente de résoudre ça, mais on tombe dans le même problème parce qu'il faut créer de la richesse. Et comment créer de la richesse? Bon, chacun sait que ce n'est pas d'un claquement de main qu'il faut créer de la richesse. Donc, cette année, on a mis l'accent sur la sécurité, mais il faut travailler à ce qu'il y ait de la richesse, que le pouvoir d'achat, qu'il y ait l'émergence d'une classe moyenne. Parce que même quand on dit on a 10 milliardaires, on a 20 milliardaires, ces 20 milliardaires-là ne peuvent pas tirer le Burkina, je termine par là, ne peuvent pas tirer le Burkina par le haut. Un milliardaire, à la limite, c'est sa famille nucléaire, c'est ses amis, c'est ses copains. Mais ça s'arrête là. Il ne peut pas. Or, quand on dit une classe moyenne, nous sommes 18 millions. Si on a 10 millions qui ont un pouvoir d'achat assez conséquent, on va voir que l'économie tourne et on va voir que ça bouge. Oui, mais pour ça, il faut investir. Il faut investir. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc, il faut créer les conditions. Et là, Tao a raison. Oui. Mais maintenant, il faut étaler ça dans le temps parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, surtout pour un Burkina post-insurrection, post-transition. Alors, beaucoup de problèmes. Et ça, bon, le gouvernement Abo n'a pas la baguette magique. Mais ce qu'il faut déplorer, effectivement, et Abadi l'a dit, les contribuables, CLS, on doit revenir sur quand même la kyrielle de taxe là. Oui, on en parle justement. On serre la ceinture, mais même en France, vous voyez, les gilets jaunes, ils disent quoi? C'est des salaires de misère, mais on vous dit cotiser, ça va aller. Et après, basta. Justement, que pensez-vous donc de ces nouvelles taxes qui accompagnent ce budget 2019? Il y a les taxes sur les véhicules, taxes sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées, taxes sur le thé, le café. Le gouvernement est dans son rôle. Vous savez, quand ça ne va pas, il y a des secteurs dans lesquels le gouvernement tape pour pouvoir récupérer. La France actuellement,
l'exécutif Macron va trouver les 10 milliards où, pour justement satisfaire les gilets jaunes et puis les millions d'heures supplémentaires. La France va taper sur le GAFA. Voilà, Google, Apple et Amazon, ils vont faire des taxes en passant outre même les lois, les dispositions de l'Union européenne. Donc la France est allée chercher l'argent en tapant sur les économies numériques. Ici, bon, le gouvernement a décidé de taper sur, je crois que la boisson alcoolisée, 3,6 milliards, sur les véhicules de luxe, 7 milliards, même sur les boissons non alcoolisées, le café, le thé. C'est de bonne guerre. Mais est-ce que... Bon, vraiment, cet argent qu'on va récupérer, c'est l'utilisation souvent de cet argent qui fait problème. Sinon, je pense que le gouvernement est dans son camp, ça chauffe, on va quand même dans certaines niches et on tape pour récupérer l'argent. D'accord. Ça, je pense que le gouvernement est dans son rôle. Est-ce que le gouvernement est dans son rôle, Zoubavien? Non, moi, je pense que non, le gouvernement est dans son rôle de procéder à la taxation de certains produits, mais lesquels produits? C'est là toute la question. Parce qu'il fut un moment où le Premier ministre est convaincu, lors d'une interview, que le pouvoir d'achat du Burkinabé s'était accru. Je ne sais pas sur quelle base est-ce qu'il a tenu ce propos. Et juste après, on se rend compte que bon, c'est comme si, parce que le pouvoir d'achat du Burkinabé s'est accru, il faut les taxer. Il faut taxer les choses de sorte à ce que bon, ça se ressente. Il y a un problème qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, les produits qui sont taxés sont des produits de grande consommation. On a vu que la question même du carburant n'est pas encore résolue. Ce qui risque même encore d'avoir un impact sur les prix. En plus de cette taxation que nous allons constater en 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, on peut couler même sous le poids de certaines taxes. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Parce qu'il faut bien trouver de l'argent. Il y a des secteurs quand même, bon, je ne sais pas, est-ce qu'on a fini d'explorer toutes les voies de taxation du secteur minier? Ça, je n'en sais rien. Est-ce que l'impôt sur la fortune au Burkina Faso, ça existe? Ça, je n'en sais rien. On l'a supprimé en France. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a tellement de fortune au Burkina pour créer. Mais une chose est sûre, il y a des multinationales qui sont au Burkina Faso. Combien est-ce qu'on prélève? Est-ce qu'on ne peut pas revoir ça? Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, c'est peut-être au gouvernement. Mais je me dis que. Alors, vous pensez que c'est là-bas qu'il fallait chercher l'argent? Voilà, et même qu'aujourd'hui. Nous sommes encore en train de subir même, des séquelles même des programmes d'ajustement structurel. Parce que vous prenez des secteurs comme la téléphonie. C'est des secteurs porteurs aujourd'hui. On sait qu'ils font aujourd'hui des gros bénéfices. Mais comme l'État, à un moment donné, s'est désengagé et donné ça à des privés. Résultat, aujourd'hui, les gens brassent beaucoup d'argent dedans, qu'ils rapatrient dans leur pays d'origine. Et puis, au final, on vous donne le chiffre d'affaires. On dit non, voilà, le chiffre d'affaires, que tout a été fait. Et quand on voit le prélèvement que le gouvernement a là-dessus, ça ne dépasse souvent pas les 25 à 30 milliards. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que le gouvernement même doit repenser le développement. Doit repenser de sorte à ce que ce ne soit pas le petit citoyen qui passe son temps à payer d'abord le billet de transport. Les billets de transport vont augmenter dans l'écart parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Vous avez vu, je ne sais pas, c'est le journal Le Pays qui, à un moment donné, donnait à voir un peu le ressenti de certains transporteurs, je pense, Staff et puis TSR, qui sont des gros transporteurs, qui risquent d'augmenter le prix des billets. Ça, c'est une chose. Les marchandises qui vont venir connaîtront une augmentation avec les taxations. Bon, mais pour le moment, en tout cas, ils ont dit qu'ils ne vont pas. Je pense qu'au sort, il y a un moratoire. Mais je veux compléter en disant quand même qu'ici, bon, quand même, l'augmentation des taxes sur les boissons alcoolisées, ça va de soi. Parce que quand même, bon, c'est un secteur, si quelqu'un peut se permettre de payer un whisky ou bien un vin de 100 ans, bon, c'est que si quelqu'un va aussi payer un véhicule de luxe, il va de soi qu'il doit pouvoir. Donc, je pense quand même que c'est des secteurs, il ne faut pas monter sur ces grands chevaux. Je crois que c'est des secteurs... Non, l'État peut taper pour récupérer. Parce que, bon, aujourd'hui, il y a une question de soutenabilité, comme je dis, de l'économie. Et c'est des secteurs où on peut taper pour récupérer quand même quelques subsides. L'État, c'est la toute puissance de l'État, c'est ça. Il y en a qui parlent aussi de matraquage. Moi, je trouve, en fait, le Burkina, on a un problème avec les impôts. Et je pense que l'Africain, même de façon générale, a un problème avec l'impôt. C'est congénital à nos États. Si on remonte à la période coloniale, l'impôt, ça faisait fuir des... Aujourd'hui, ceux qui paient volontairement leurs impôts, ils sont très rares. Très rares. Donc l'État développe des stratégies pour voir comment il récupère
récupérer, faire des recettes. Donc, la dernière trouvaille, c'est sur le produit de luxe. Personne ne s'en plaint. Enfin, moi, j'ai les parfums. Et c'est des produits qui sont ciblés. Et maintenant, les mécanismes, comment faire payer ça, peut-être qu'ils vont nous expliquer après. Moi, tout le monde est contre la pression fiscale. Mais l'État, dans le même temps, a besoin de vivre. Donc, il est obligé, à chaque fois, de trouver de nouvelles niches d'impôts. Quand il n'arrive pas à maximiser, vous prenez la taxe de résidence. Les chiffres font peur. Sur 200 000 contribuables potentiels, il n'y a même pas 10 000 qui payent. Si les 200 000 payaient, vous croyez qu'on aurait peut-être on aurait pensé à instituer une nouvelle taxe qui ne va rapporter que 17 millions, je crois. Il y a une taxe qui rapporte à peine 17 millions. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu le faire? Donc, il y a le souci aussi de ça. Il faut que nous aussi, à un moment, on arrive, ça c'est le travail de l'État, mais c'est aussi peut-être le travail des associations, de travailler au civisme fiscal. Si vous regardez, il y a beaucoup d'associations qui font n'importe quoi. Ils font tout dans beaucoup de domaines. Mais vous en trouvez très peu qui font dans la promotion du civisme fiscal parce que ça n'intéresse personne. Mais c'est important, c'est vital pour le pays. Il faut le connaître quand même pour compléter. Ces derniers temps, quand même, ces dernières années, la DGI, la Direction générale des impôts, a fait quand même un travail où l'impôt n'est plus un repoussoir pour les comptes parce que les gens commencent à comprendre, on peut négocier, on peut voir. Mais donc il faut aujourd'hui, que ce soit accompagné, c'est voilà, ce que je regrette. Donc aujourd'hui, bon, ce blocage-là ou cette peur congénitale dont on parlait Taou là est en train de se dissiper quand même. C'est vrai qu'on a peur des redressements, mais moins quand même parce que les impôts ont fait quand même un travail bon, de sensibilisation qui fait qu'on a moins peur des impôts aujourd'hui. D'accord, oui. Je pense que quand les gens ont peur des taxes et autres, c'est quoi? Je pense que c'est souvent une question d'équité, en fait. Parce que nos systèmes ici, c'est un système déclaratif. Oui. Alors, ça dit qu'on ne peut pas contraindre un individu à aller payer l'impôt. Ça dit de façon simple, si vous voulez. Sinon, les entreprises, ben, on peut les contraindre, bien sûr. Mais il y a des voies pour cela. Mais dans la mesure où, effectivement, on est dans un système déclaratif, alors si on n'a pas suivi, c'est-à-dire au niveau par exemple, aujourd'hui, le constat qui se dégage, c'est quoi? Les plus fortunés payent moins que ceux qui sont pauvres. C'est en fait ce vrai problème qui se pose aujourd'hui. On l'a bien dit ici, mais il y a des domaines et dans lesquels où on peut vraiment avoir de l'argent facilement. Il y a par exemple le domaine de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, chaque Burkinabé pratiquement. Non, c'est la vérité parce que le secteur qui a émergé ces derniers temps, c'est vraiment le secteur de la téléphonie. Il y a beaucoup d'argent à prendre. Donc si on dit qu'on va couper 0,1 quelque chose, moi je pense que personne ne va se plaindre. Mais quand c'est des produits courants, effectivement, le problème peut se poser parce que les gens ont une autre façon de voir les choses. Et comme quelqu'un l'a dit, vous avez la question quand même des hydrocarbures qui n'a pas été résolu d'abord. Voilà. Et à cela viennent s'ajouter d'autres taxes. Dans un contexte de morosité économique, vous avez une jeunesse qui fait face à un taux de chômage jamais égalé. Vous avez des entreprises qui licencient à bras du tout, si certaines même ne mettent pas le clé sous le paillasson parce qu'elles n'arrivent pas à tenir justement. Donc dans tel contexte, si vous instaurez de nouvelles taxes, ça peut être mal perçu. Sinon, on peut comprendre que le gouvernement ayant fait des efforts à l'endroit des fonctionnaires de l'État, il faut le préciser, parce qu'avec la relecture de la loi 83, il y a eu quand même un plus sur le salaire de bon nombre de fonctionnaires. Il y en a qui ont même perçu 70 000, 150 000, etc. C'est du jamais vu au Burkina ici. Donc il faut forcément que l'État. Mais il faut que quelqu'un paye. Malheureusement, le problème ici. Le problème ici, c'est que ces taxes ne concernent pas ces travailleurs. Cette taxe concerne effectivement même ceux qui n'ont pas bénéficié de cette largeur de l'État. C'est là où se pose le problème. Voilà. Sinon, effectivement, si des taxes étaient destinées vraiment aux fonctionnaires, personne n'allait trouver à redire. Et là, il faut compléter en disant l'impôt est déclaratif, mais le problème là où il y a le hic, quand vous déclarez, vous avez déclaré par exemple une facture. Voilà. Et il y a la TVA dessus. Que vous payez. Mais avant même que votre fournisseur ne vous paye, les impôts viennent vous réclamer. Exactement. Or, vous n'avez pas encore encaissé. Oui. Et ça fait un problème. Il faudra vraiment résoudre ça parce que nous sommes confrontés à ce problème-là. Et à cela, il faut ajouter un autre aspect, la lutte contre la corruption. Aujourd'hui,
c'est clair qu'on perd des milliards, pas des millions, des milliards. Des milliards et des milliards dans la corruption. Ouais, parce qu'on ne veut pas lutter contre la corruption. Oui. Mais donc, si on va chercher 17 millions ou bien même 1 milliard, alors que dans la corruption, on perd 100 milliards, mais il y a un problème. Moi, je pense qu'il faut assainir la gestion économique de ces pays pour éviter ces taxes-là. Voilà. Parce que le contexte est tel que les Burkinabés, c'est cher. Beaucoup de Burkinabés tirent le diable à la queue, il faut le reconnaître. Je suis en phase avec Dabadi sur cette question de corruption. Parce que les rapports tombent, des gens sont incriminés tous les jours que Dieu fait. Et même des dépenses superflues au niveau de l'État. Vous prenez aujourd'hui tous les ministres, sont systématiquement des superviseurs généraux de tous les projets et programmes de leur ministère. Et ils émargent, ils ont les plus gros émargements. Il y a un problème qui se pose. C'est-à-dire que quand on parle de rationalisation, mais c'est une réalité que nous, on vit au quotidien dans les administrations. Vous prenez même la direction générale et autres. Le directeur général, du coup, il a le carburant gratuitement, il a le plus gros salaire, et tous les projets et programmes et autres qui fonctionnent dedans, il émarge aussi dedans. En tant que quoi? Oui, en tant que superviseur généralement, ça pour dire que cette question de mobilisation des ressources aussi tient à une bonne gestion. Il faut qu'à un moment donné, tout le monde ait le sens du sacrifice. Autant on demande à quelqu'un de ne plus payer son thé à 100 francs, de le payer peut-être à 125, à 150 francs, autant le ministre et le directeur général doivent se dire que nous avons atteint un niveau où chacun aussi doit laisser tomber ses petits privilèges qui garnissaient son salaire pour quand même penser au développement, pour penser au pays. D'accord. Alors, on est pris par le temps et on va parler, peut-être rester un peu dans le même domaine pour parler de ces négociations entre le gouvernement et les syndicats qui ont eu lieu lundi passé. Je pense que ça a commencé depuis le 10 et c'était la deuxième phase lundi dernier, 17 décembre. Les syndicats, notamment la CCVC et le gouvernement ont discuté donc sur la plateforme revendicative de la CCVC. Le point principal de cette plateforme, c'est le retour à l'ancien prix donc des hydrocarbures après près de deux semaines, si on peut le dire, des négociations, notamment 8 heures ou 7 heures le lundi dernier. Il n'y a pas eu finalement d'accord entre les deux parties. Le gouvernement n'a pas finalement accédé au principal point, en tout cas de la plateforme revendicative de la CCVC. Alors, est-ce qu'il fallait s'y attendre, Tao? Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à grand-chose face à ces négociations. C'est tout chaud. Le gouvernement vient de réajuster les prix, c'est pour souffler. Il veut engranger un certain nombre de milliards pour pouvoir soutenir sa structure, comment on appelle ça, son mécanisme, tout le secteur des hydrocarbures. Il faut qu'il en tire quand même un petit bénéfice avant de faire marche arrière. Je pense que ces négociations vont se poursuivre, peut-être quelques temps encore, mais je pense que ce serait trop tôt que le gouvernement lève la mesure. Parce que sinon, pourquoi avoir pris cette mesure? Ça veut dire que ça n'a pas été réfléchi. Il y avait un objectif clair derrière. C'était de renflouer les caisses, soit de la SONABU ou de l'État, par rapport à un certain nombre de difficultés que le secteur des hydrocarbures connaissait. Donc, je pense qu'ils vont discuter. Il y aura des avancées, mais très lentement, jusqu'à ce que le mécanisme que l'État a mis en place et est en train de mettre en place pour réviser son mécanisme de fixation des prix soit opérationnel. Et en ce moment, comme c'est ce qui est attendu d'ailleurs de tout le monde, c'est que ces prix-là puissent fluctuer de façon régulière, à la hausse et à la baisse, de telle sorte que le citoyen ne soit plus surpris de la hausse. Parce que tout le monde a regretté le fait qu'on a attendu deux ans pour faire une hausse de 75 francs, alors que si tous les trois mois on avait une hausse de 3, 4 ou 30 francs, ça serait pratiquement un delors ou enfin des baisses dans la même période. Dans la même période. En tout cas, le gouvernement parle de fin janvier, peut-être pour voir. Oui, donc on parle de fin janvier, peut-être c'est en novembre qu'on a commencé la hausse. Oui, je pense, non, il ne fallait pas quand même. Le gouvernement ne pouvait pas se déculoter du coup comme ça. On vient de prendre une mesure et puis bon, sous les tirs de barrage de la CCVC et puis rapidement remettre. Bon, c'est quand même un gouvernement quand même. Se déjuge comme ça, bon, il y a l'autorité quand même qui part en lambeaux. Non, je pense que le gouvernement a pris la mesure, effectivement. Il y a des objectifs, ce n'est pas pris comme ça à la cantonade. Il y a des objectifs, il y a quelque chose qu'on veut engranger. Et puis après, maintenant, peut-être qu'on peut revenir à la vieille mercuriale qui était là et exigée par la CCVC. Mais il y a un problème.
structurelle qui demeure. Et justement, je crois que la CCVC a touché le problème. Il faut auditer la SONABI et puis la SONABEL. Oui, mais l'État a accepté de faire ça. Oui, l'État, oui, mais bon, c'est pas un problème comme ça. Si vous, pour certains quand même qui sont mémoratifs, je pense qu'il y a eu, il y a 10 ans de cela, le premier ministre de l'époque, Yonli, a dû convoquer et le DG de la SONABI et le DG de la SONABEL pour vraiment qu'ils fument le calumet de la paix parce que la SONABI refusait justement de livrer du fioul à la SONABEL pour fonctionner parce qu'il y avait vraiment ce que j'appelais un véritable tonneau de Danaïde, c'est-à-dire que les dettes cumulées par la SONABEL envers la SONABI étaient telles que pour remplir ces tonneaux-là, c'était la mer à boire. Donc c'était trop et la SONABEL a dit non. La SONABI a dit non, elle va payer et le Premier ministre a dû dire bon, il faut payer un peu parce que c'est des deux institutions très liées. Mmh. Alors, ce problème-là, on l'a traîné jusqu'à maintenant. Ce n'est pas encore résolu. Mmh. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État a pris cette mesure. C'est vrai que ça retombe sur le contribuable parce que c'est nous, et c'est trop. 75 francs CFA, c'est beaucoup, c'est du jamais vu, c'est trop. Mais l'État a fait ça peut-être. Ils savent bien que ça va être intenable, il faut ramener ça. Mais quand même, avec ce que l'État injecte comme subvention, il fallait ramener les choses à une proportion assez acceptable avant, quitte après, à reculer. Donc, je pense qu'il ne fallait pas attendre. Et je ne pense pas que, pour le moment, le gouvernement va reculer sur ce point-là. Parce que vous avez vu, il y a 7 points. Sur les deux, les 6 autres, on peut discuter. Mais sur ce... Les 6 autres, pour les syndicats, voilà, c'est accessoire. Voilà, c'est pas ça. Bon, mais le point 1, parce que c'est les hydrocarbures, c'est le point 1. Et c'est là-bas où ça coince. Et je pense que le gouvernement ne va pas reculer de sitôt. Oui, mais dans ces conditions, est-ce qu'il ne faut pas craindre, justement, de nouvelles manifestations des syndicats? Je ne sais pas ce qui va advenir. Moi, je pense que tout est lié, comme le dit quelqu'un. Parce que le gouvernement, d'abord, avait déjà et son budget sous la main, voilà, tenant compte de cette taxation-là. Donc, le fait de les avoir appelés... le fait de les avoir appelés, d'avoir appelé, et, comme on appelle les éléments de la CCVC, pour moi, c'était une façon quand même de renouer les contacts en vue peut-être d'autres cadres plus appropriés où peut-être la question sera sérénement débattue. Sinon, pour cette fois, je pense que les choses étaient... les carottes étaient cuites. Mmh. Maintenant, le problème qui va se poser, et pour reprendre votre dernière préoccupation, c'est qu'en même temps qu'on envoie beaucoup de taxes, on crée un climat qui ne sera pas propice à la collecte de ces taxes. Parce que la CCVC, ils ne vont pas aller s'asseoir aussi, dormir sur leur laurier et dire que bon, on va attendre le gouvernement de voir et le jour où le gouvernement sera content pour baisser la chose. Peut-être un peu de temps, et la manifestation passée, on avait dit que c'était une sorte d'avertissement. Mm-hmm. Maintenant, si on doit dérouler tout un programme annuel de manifestation, est-ce que vous pourrez collecter les taxes dont vous parlez dans le budget dans ces conditions-là? Donc pour moi, les choses sont liées. À un moment donné, il faut savoir faire des concessions. Si vous décidez d'apporter des taxes à tout vent, qualifier de taxes à tout vent par certains, il faut aussi souffrir de baisser le prix des hydrocarbures de sorte à ce que vous soyez sur les mêmes longueurs d'onde. Même si c'était 25 francs, de 25 francs qu'on baissait, on aurait dit que le gouvernement quand même, bon, il y a un effort quand même qui est fait. On vous a écouté, on en a tenu compte. Mais le fait de rester caduque sur ce point, de dire qu'il y a de nouvelles taxes qui sont là, à un moment donné, quand on fait la sommation, on se rend compte que le gouvernement ne veut plus rien écouter. Et pire, le prix des hydrocarbures à partir de 2019, si on n'a pas pu trouver, si le moratoire n'a pas pu donner quelque chose de sérieux concernant les transporteurs, ça va encore accroître le prix des marchandises. Et c'est encore le même. Donc je me dis que pour créer un climat serein, pour pouvoir collecter les taxes là, il faut aussi faire des concessions. Et ça n'enlèvera rien au gouvernement. Ce n'est pas une question de faiblesse, ce n'est pas pour dire qu'on a mis en cause l'autorité de l'État en baissant un prix, mais c'est quand même aussi pour le climat social. C'est important. D'accord, oui, Dabadi. Oui, non, effectivement, je pense que s'il n'y a pas eu d'accord, c'est parce que personne ne veut faire de concessions, notamment l'État. C'est ça le vrai problème ici. Or, il me semble que la question des hydrocarbures est une question extrêmement importante. Parce qu'il faut même parler de social dans un pays comme le Burkina. Vous avez ces élèves qui vont à l'école, certains à moto, etc. Donc, tout le monde a besoin du carburant. Et généralement, lorsqu'il y a augmentation, c'est quand même discuté avec les partenaires. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc, ça a été une grosse erreur quand même de la part de l'État, si bien qu'aujourd'hui, c'est à lui de faire des concessions. Quelqu'un vient de le dire ici. On aurait pu regarder toutes ces heures, c'est-à-dire qu'on aura finalement
par le pourri. C'est ce que ça veut dire. Et ça, ce n'est pas du tout bon, à mon avis. Parce que quand même, dans un pays où les gens tirent le diable par la queue, Dieu donné même disait qu'il y en a qui ne voient même plus la queue, effectivement, il faut quand même que le gouvernement fasse preuve de souplesse. D'autant plus, comme on l'a dit, les démocrates gouvernent quand même pour le peuple. Et si le peuple est contre mesure, je pense que le gouvernement, même s'il y a des raisons, parce que ici, les raisons, c'est quoi? C'est parce qu'il fait face à une situation financière difficile. Il faut trouver forcément les moyens. On peut comprendre. Moi, mais, le danger, c'est que si on ne fait rien, justement, effectivement, la rive va gronder. C'est-à-dire, il y aura des manifestations. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte sécuritaire difficile où on a besoin de la stabilité. N'oublions pas qu'on veut mobiliser des fonds à travers, effectivement, l'adoption de ces nouvelles taxes. Et si le pays est dans un climat insurrectionnel, on ne pourra pas le faire. Et je pense que ça, le pouvoir même n'a pas intérêt à cela. S'il y a beaucoup de manifestations, aujourd'hui, quand vous regardez, pratiquement tous les secteurs sont touchés. Et voilà, vous avez ceux qui seront fâchés parce que le prix du carburant n'a pas été baissé. Il y a les nouvelles taxes, vous avez les syndicats, les travailleurs, etc. Donc tout ça réuni, c'est quand même... D'accord, on a bien compris votre position. Moi, j'ai une question à poser. Vous vous mettez à la place du gouvernement, vous faites quoi? Face aux priorités que nous avons, il y a des décisions qu'il faut prendre, il y a des décisions qui font mal, il y a des décisions qu'il faut expliquer, il faut continuer d'expliquer. Souvent, personne ne va la fleur de fusil accepter des paiements d'un impôt. On a dit ça tantôt ici. Il faut, le gouvernement, c'est ce qu'on appelle la toute-puissance. Il y a des impôts, là, on ne discute pas. Il a un objectif, il va expliquer. On peut être d'accord, mais une fois que ça passe dans la loi, on se soumet. Maintenant, si on crée un rapport de force sur le terrain... Mais est-ce que la population sont obligées de subir? Non, j'ai dit on discute. En France, les Français ont discute, refusé la taxe. C'est mon dernier point. Oui. Maintenant, ce qu'il faut reprocher à tout le système aujourd'hui, c'est la qualité du dialogue. Du dialogue. Je trouve, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup d'explications préalables. Ce qu'on a pu regretter lors même de l'augmentation du prix du carburant. Parce qu'il y avait ceux qui disaient non, il faut... augmenter, si on doit augmenter, il faut augmenter. Il y en a qui disent, ah, c'est sensible, il faut qu'on prenne le temps de sensibiliser avant d'augmenter. Et ceux qui sont contre cette idée disent, mais si on prend le temps de sensibiliser, que la manière ne prend pas, alors que nous, on a une urgence, on a besoin d'argent, on laisse tomber, et puis tout le système va à volo. Parce qu'il y a des fois, il y a des décisions difficiles que l'État est amené à prendre. Maintenant, il faut vraiment s'assurer du dialogue avec les partenaires et de bien expliquer. Maintenant, si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord, c'est là la vraie question. Est-ce qu'il faut attendre que tous les partenaires sociaux soient d'accord pour appliquer une décision de l'État? Moi, j'en doute. Parce que souvent, il faut l'État à une certaine forme de pression que nous, en tant que citoyens lambda, on ne vit pas. On ne perçoit pas, oui. Moi, je pense très rapidement. Que c'est moins souvent la décision prise par le gouvernement que la transparence, l'anticipation, bon, qui soit indexée. Je reviens rapidement. Si on prend l'adoption du budget, on a évoqué évasivement comme ça le fonds commun. Tout le monde sait que la conférence des forces vives, là, il y a eu des mesures qui ont été prises. Bon, j'ai écouté le ministre de l'économie et des finances qui a un peu expliqué qu'on reste aux mêmes mesures, c'est-à-dire indexer au recouvrement et aux pénalités. Oui. Les salaires, ça sera sur les, ça ne doit pas dépasser 25%. Il y aura un moratoire qu'on va négocier avec les banques parce qu'il y en a qui se sont adossés sur ces fonds communs-là pour prendre des dettes. Mais quid du comité ad hoc qui doit justement... Il y a un comité ad hoc qu'on doit mettre en place pour voir les modalités d'application de toutes ces mesures. Ce comité-là est là et le gouvernement fait le mort. Or, au premier trimestre 2019, le SINAFI, le SINAID, les gars veulent leur fonds commun. Est-ce que ça va être l'ancien fonds commun qu'on va leur servir ou bien le nouveau? Bon, on va attendre peut-être en février et on va être là en train de dire encore non. Donc, il y a souvent ce manque de transparence. Je pense que, les mesures qui ont été décidées pendant la conférence sur le système de rémunération des fonctionnaires, en tout cas, avaient dit que les mesures vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier. Oui, mais il y a un comité ad hoc quand même qui doit être mis en place, qui travaille. Oui. Mais on ne sait pas à quoi ça est. Au premier trimestre, donnons-nous rendez-vous. Bon, on verra ce que ça va donner. Très rapidement, voilà, je suis d'accord avec Dieudonné Zungrana pour dire que les questions de transparence, il y a une question même de confiance entre le gouvernant et le gouverné au Burkina Faso. La qualité du dialogue social. La qualité aussi du dialogue social. Parce que quand on prend la taxe de 75 francs sur le prix des hydrocarbures, parce que c'est ça aussi, c'est l'une des grandes mesures de l'année. On a parlé d'efforts de guerre. On a augmenté de 75 francs.
effort de guerre et subvention, amortissement de la subvention. Aujourd'hui, quelques mois après, on ne fait pas le point pour dire que voilà ce que... En fait, c'est vraiment un flou qui entoure la chose. Et comme il n'y a jamais eu pratiquement d'audit à la Sonabi, alors on augmente... Il y en a eu, hein, Il y en a eu, mais c'est que ces dernières années, il n'y a pas eu d'audit à la Sonabi. Sinon, la Sonabi et la Sonabel ont déjà été audités. Voilà, audités, mais ça fait longtemps déjà. Parce que le monde aussi a évolué depuis un bon bout de temps. Donc aujourd'hui, il y a une question de transparence qui fait qu'il y, y a un climat de suspicion. Il y a un climat de suspicion qui règne au Burkina Faso, de sorte à ce que il faut que les gens reviennent à des meilleurs sentiments pour créer une bonne ambiance de développement. Parce que tant que ce n'est pas fait, et c'est l'écoute, la qualité de l'écoute qu'on met en avant ici. Il faut que les gens s'écoutent. La minute, donc, voilà, a été... Voilà, il faut que les gens s'écoutent aussi. Sois sincère, c'est aussi ça. Je pense que le problème ici, le problème est assez simple à comprendre. L'État veut que les citoyens payent ses erreurs. Il y a un problème. Alors, lorsque vous placez des gens à la tête de l'État pour vous diriger, s'ils prennent des mauvaises décisions, mais ça veut dire que vous allez payer, vous allez casquer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La mauvaise décision, là, c'est quoi? Mais la mauvaise décision, nous l'avons dit dès le début. Lorsqu'on a commencé à augmenter les salaires sans pourtant s'assurer qu'on va tenir le coup, dès que les syndicats s'élèvent, celui qui dit non, nous, on veut rencontrer le président, ils voient le président, on dit OK, on accepte. Mais ça pose problème aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Les fonctionnaires représentent combien pour ça? Ils ne sont pas plus de 200 000. Alors que pour une population de pratiquement 19 millions aujourd'hui, il y a un problème. On ne peut pas accepter qu'on prend les fruits de la croissance et tout ce qu'il y a pour distribuer à des travailleurs, autour de 200 000 travailleurs, et laisser les 19 millions. Ça pose problème. Et quand il y a problème, on dit non, c'est les 19 millions qui doivent payer. Je pense que le vrai problème, c'est ce niveau. C'est un problème d'équité. Donc, il faut que le gouvernement soit, à mon avis, plus lucide dans la prise des décisions. D'accord. Les décisions doivent être mûres avant de les prendre. Sinon, on va continuer à patauger. Et je vous dis qu'en 2019, on va assister au même problème. Cette année, le nombre de grèves qu'il y a eu, c'était du jamais vu. Ah, il faut pas. Il faut voilà. On ne va pas le souhaiter, justement. Et on va. On va espérer un peu le climat social. C'est un journalisme anecdotique dans ce domaine-là. Parce que si on retombe dans les mêmes travers que 2019, ça va être. Ça va être facile. Ça va être. Assez difficile. Alors donc on va parler d'un tout autre sujet maintenant, notamment l'audition du général de gendarmerie Djibril Bassolé qui était à la barre au tribunal militaire de Ouagadougou depuis le 19, donc accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures, de collision avec une puissance étrangère dans le putsch de septembre 2015. Le général Bassolé a plaidé non coupable, mais il reconnaît avoir eu des conversations avec des personnalités à l'étranger. Mais pour lui, c'était dans le seul but de trouver donc une solution à cette crise d'Abadi. Oui, que puisse dire je pense que ce procès, ce qu'on peut dire tout simplement, est qu'il n'y a rien de piquant dans ce procès, ou du moins, ce procès ne nous apprend pas grand-chose, sinon l'audition. Et je ne pense pas que l'audition de Djibril Bassolé permettra de faire jaillir la vérité sur ce qui s'est passé. Et d'autant plus que ces derniers, comme tous les autres, hein, appliquaient le code général, ce que je dirais, des prévenus, qui est de plus de non coupables. Et aujourd'hui, c'est devenu un code général en réalité. Alors, si vous regardez très bien le climat dans lequel se déroule effectivement le procès, on peut vraiment se poser beaucoup de questions. Il y a des gens qui ont affirmé à son temps que s'il parlait, la République allait trembler. Rien n'est fait. Au contraire, peut-être c'est eux-mêmes qui ont tremblé à la fin de leur audition. Donc, je pense que Djibril, qui est plus fin, ne va pas s'écarter de cette ligne de défense. Et on le voit déjà, parce qu'à travers ce qu'il dit, quand vous écoutez, ben, écoutez, il a de très bonnes réponses, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux questions qui lui sont posées. Mais je pense qu'il appartient à la justice de réunir davantage. Oui, mais en tout cas, les avocats, que ce soit de la partie civile, par exemple, pensent que déjà ce qu'il a dit, c'est assez bon. Non, c'est pas parce qu'il a dit qu'il a communiqué avec des gens que d'office, ça concerne les communications dont on parle. Oui, c'est le contenu maintenant des conversations qu'il faut débattre. Il faut effectivement analyser le contenu. Et est-ce que, par exemple, les questions de savoir si, effectivement, c'est une conversation qui a eu lieu telle que ça a été présenté, ou bien s'il y a eu des montages. Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'au début, quand la question s'était posée... Et ce travail, c'est la justice qui doit pouvoir le faire, à mon avis. Non, au début, quand la question s'était posée, la question des communications, tout le monde
ou du moins les communicants de Djibril Bassolé avaient dit que c'était du trucage. Il y a même eu l'expertise qui a été mise en cause sous prétexte que c'est du trucage. Et continue de dire que c'est du trucage. Et à un moment donné même, on a touché le fond en disant même que c'était une communication qui n'avait même pas eu lieu et que à travers c'était un montage grossier. Maintenant, à la barre, le président du tribunal a pris le soin de lui demander « Est-ce que vous avez eu des communications avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire lors des événements ?» Il dit « Oui, j'ai eu des communications avec lui, je ne sais pas combien de fois, mais nous avons essentiellement parlé de DDR. » Et quand vous écoutez la communication dont il est question ici, effectivement, on parlait de DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion des éléments du RSP. Donc, à partir de ce moment, je pense que c'est ce qui a conforté un peu les avocats des partis civils qui disent qu'à partir du moment où le général reconnaît avoir échangé avec Guillaume Soro et que l'un des points saillants ressort dans la communication, c'est déjà bon à prendre pour eux. Parce que sur ce fondement-là, ils pourront quand même essayer aussi de développer des arguments pour contraindre Djibril Bassolé. Même si le prévenu ne reconnaît pas qui a été présentée. Parce que la certitude de cette affaire, c'est qu'on sortira de ce procès sans savoir la vérité avec grand V. Qui a fait quoi? Mais quand même, la vérité judiciaire sera dite. Donc aujourd'hui, chacun tente quand même, de par ses moyens, de persuader le président du tribunal que sa partie, pourquoi on entend sa cause. Donc je pense qu'à partir de ce moment où Djibril Bassolé lui-même reconnaît avoir parlé de DDR avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et lors des événements, je pense qu'ici, il y a quand même matière à maintenant discuter. Vous avez parlé de ça. Maintenant, est-ce que... Parce que c'est l'origine aussi des écoutes qui posaient problème. Certains ne mettent pas en cause systématiquement une question de trucage, mais disent où est-ce que vous avez eu ces écoutes. Ils sont même allés indexer même des services américains qui auraient et pris ces écoutes-là. D'accord, donc oui. C'est un peu ces origines-là qui posent problème. Tao. Bon, moi, je crois que beaucoup de gens vont rester sur leur faim par rapport à ce procès, parce que tout le déballage qu'on attendait, c'est d'abord une affaire. Vite, quand on regarde la... le profil de ceux qui sont appelés à la barre, notamment ceux à qui on prête l'organisation de ce coup d'État, c'est des gens qui ne vont pas parler, ils ne vont pas dire tout ce qu'ils ont dans le ventre. Et tout le monde boite en touche, tout en sachant que même si on me condamne, en tout cas, vis-à-vis de l'opinion, j'aurais joué ma partition, j'aurais monté en trois, quatre planches. C'est au juge de décider, comme tu viens de le dire. Mais ce qui est regrettable, moi, ce qui est regrettable, c'est que je... Depuis le début des auditions jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis resté sur ma faim parce que on a l'impression que notre armée, là, finalement, c'est nos adjudants-chefs et puis nos sergents-chefs là qui dirigent. Hein. Et quand des généraux viennent même admettre cette thèse, ça, quand on parle de l'autorité de l'État, là, mais donc ça veut dire que même dans l'armée, peut-être qu'il y a un problème d'autorité. Et ça, c'est dangereux. Et pour une armée, il faudra peut-être reconstruire maintenant des bases sereines à partir de maintenant. Oui, Dieu, on n'a plus pas le temps. C'est le tour de table. C'est le sentiment général qui se profile à l'horizon. C'est-à-dire que, bon, maintenant, je crois qu'après le général Djibril Bassolé, ça va être les témoins. Mais on risque à la fin de ce... Il y a les confrontations. Mais on risque à la fin de se retrouver avec un coup d'État sans commanditaire, sans exécutant. Bon, personne, tout le monde s'en lave les mains. Mais pour le cas du général Djibril Bassolé, bon, n'oubliez pas que c'est un OPJ, c'est un officier de police judiciaire. Il connaît quand même son droit, il connaît les arcanes du pouvoir. Et pour certaines personnes, ce n'est pas la première fois que Djibril, il a d'abord même été injuré lors des TPR. Il est même déjà passé devant les juridictions pour les histoires de dons. Bon, c'est quand même un monsieur qui, dans sa tête, est chaud. Et effectivement, bon, on a pinaillé beaucoup sur l'objet du délit, la fameuse clé USB. C'est-à-dire, ça, c'est une défense que Djibril a depuis... Il rejette l'objet du délit. Même devant la chambre de contrôle de l'instruction, ils ont dit que la clé USB où il y a les fameuses conversations entre lui et Guillaume Soro, ce n'est pas authentique. Et vous avez suivi la passe d'armes entre l'avocat de Djibril, l'ex-bâtonnier de Sénégalais, maître Yérim Thiam, et puis maître Yanogo. Voilà, il y a l'authenticité, mais il y a aussi l'expertise même. Et est-ce qu'on va demander une contre-expertive? Je n'en sais rien. Non, à ce stade, c'est trop tard. Mais j'ai l'impression, effectivement, bon, si on y prend, il y a ce sentiment que
Bon, l'armée burkinabé, c'est un peu une armée mexicaine. Ou bon, où les 100 kilotes qui dictent leur droit sur le terrain, et puis les officiers supérieurs en péril. Et là, c'est une image vraiment pitoyable qu'on va donner. Monsieur Désolé, on pourra on va juste s'arrêter là pour ce sujet, parce qu'il nous reste peut-être 10 minutes hein, pour parler peut-être de la RDC, parce qu'on a commencé avec un peu de retard. Alors, très rapidement, la RDC, où les élections normalement devraient se tenir aujourd'hui même. Hein. Alors, ça a été reporté d'une semaine. L'annonce a été faite par le président de la commission électorale, la Corneille Nanga, au cours d'une conférence de presse, c'était le 20 décembre dernier. Principale raison évoquée, l'incendie d'un entrepôt de la commission électorale dans la capitale. Alors, ce report est-il justifié très rapidement, selon vous, Dabadi? Justifié, c'est difficile à dire oui ou non, parce que le même Antoine Nanga, au lendemain de l'incendie dont on parle, au lendemain de l'incendie, a rassuré que cet incendie n'allait pas effectivement causer problème, parce que le matériel est destiné à Kinshasa était déjà disponible. Donc, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, subitement, le même Corneille Nanga sort pour dire que ben, y a un report et que la principale raison, c'est l'incendie. Moi, je pense... En tout cas, j'ai la faiblesse de croire que Kabila s'est rendu compte que son dauphin n'était pas prêt pour remporter l'élection. Et donc, il fallait reporter effectivement ces élections. Et on voyait venir, parce qu'il y a eu effectivement cet incendie, il y a eu le candidat Martin Fayoulou qui a été retenu pendant des heures, il y a eu des gens qui ont été tués, une dizaine, etc. Donc, tout a été préparé et je pense que c'est sciemment fait. Et c'est à ce niveau où j'ai vraiment des appréhensions. Sinon, et si c'était le report lui-même, ben, s'il doit permettre de toiletter le fichier électoral et de retirer la machine à voter, sinon à voler, comme on le dit, ben, c'est tant mieux. Oui, la question se pose justement. Est-ce qu'une semaine, Zumrana, c'est possible pour pouvoir remplacer toutes ces machines, les bulletins, les acheminés? C'est pour ça. Bon, ça fait rire. Le même Corneille Nanga qui pavoisait, qui disait que malgré l'auto-dafé des magasins de la CENI, l'information même de ces incendies a été donnée par le conseiller diplomatique de Kabila. C'est lui qui a eu la primeur. Comment il a su en tant que conseiller? Il n'est même pas un sécuritaire, il n'est pas... Donc, en dépit de ça, de la débauche des moyens et tout en faveur du candidat du FCC, je crois que le pouvoir s'est rendu compte qu'il va échouer une bérésina, une défaite cuisante. Et aujourd'hui, si ça tenait lieu. Donc, je pense que c'est une pirouette pour permettre justement au camp du pouvoir de mieux se préparer. Et si, à 3 jours, d'une élection aussi cruciale, on n'a pas pu corriger l'impréparation technique. Ce n'est pas parce qu'on va ajouter une semaine. Qui plus est, on a même si on a ajouté une semaine, je pense qu'on devait continuer la campagne. Or, on a même suspendu cette campagne. Oui, il y a des débats aussi. Voilà, donc, tout ça, c'est pour tordre le cou à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais je termine là-dessus. Mais je crois qu'à RD Congo, les présidents de CENI ont toujours été stipendié et en tout cas toujours roulé pour le poids. Prenez en 2006 l'abbé Apollinaire Malou. Lui, il avait des problèmes avec même son corps et avec l'église et avec l'opposition parce que, bon, le bout, il avait 1m60. Ce bout d'homme-là, il roulait pour le pouvoir. C'est la même chose 13 ans après avec Corneille Nanga qui, le rien, Corneille Nanga, mais c'est un monsieur que je trouve très rusé. En fait, il roule les gens dans la farine, mais il roule Bon, on va rester sur cette élection. Voilà. Pour écouter, alors, oui. Oui, moi, je ne fais pas la même lecture de la chose parce que je me rappelle avoir dit sur ce plateau un jour que Kabila créait les conditions d'une crise préélectorale pour pouvoir garder sa chose. Aujourd'hui, on met tout le monde devant des faits. Les faits s'enchaînent. L'élection, c'est si proche, c'est si loin, de sorte à cristalliser les tensions. Et vous avez vu même la sortie même de la procureure de la CPI qui a pressenti un certain coup et qui a mis en garde les autorités de Kinshasa. C'est-à-dire que le 31, du moins le 30 décembre va arriver, peut-être qu'il n'y aura pas élection. Ou peut-être même que
Oui, non, peut-être qu'il n'y aura pas élection. Il y aura élection, mais c'est les recours post-électoraux et la crise post-électorale qui va mettre la RD Congo. Voilà, mais les conditions sont créées de sorte à ce que tout ce bois-là va finir par une crise où le monsieur va peut-être décider encore de reprendre, de regarder sa chose, puisque les élections ont été organisées et ça n'a abouti à rien. Donc pour moi, ici, ce n'est pas plus la faiblesse du candidat Chabari. Voilà, Ramazani. Mais c'est plus parce que le monsieur, il est rusé, il veut garder son pouvoir, il crée les conditions, d'accord, il met tout le monde à bout. On va voir si votre analyse est partagée par Tao. Moi, je suis surpris par le délai très court du report. Parce que c'est pour faire du bon travail. Hein? On aurait peut-être dit 15 jours, un mois. Mais c'est une élection qui surveille depuis longtemps. Donc, ils ne veulent pas sauter en 2019 avec un report. Tout le monde va les taper dessus. Donc, on met le 30. Moi, je ne suis pas sûr que le 30... C'est un report technique et politique. Voilà, je ne suis pas sûr que le 30... Parce que les mêmes raisons qu'on a évoquées pour reporter, il y a encore une raison supplémentaire qui est venue. Il y a un avion qui transportait tout le matériel électoral dans une région qui s'est écrasée avec tout le matériel, qui a tout brûlé. On n'en parle pas jusqu'à présent. L'avion a écrasé à l'atterrissage. Dans ce cas, Kabila aura son second glissement. Oui, mais est-ce que vous pensez, parce qu'il y a la commission nationale qui a dit qu'il n'y a pas, il faut arrêter la campagne électorale. Oui. Alors, Tshisekedi et puis Kamere disent qu'ils doivent continuer. Chacun prend un morceau donc, de la loi pour dire qu'il faut continuer ou arrêter. Qu'est-ce que vous pensez en 30 secondes très rapidement? Il faut continuer la campagne ou il faut l'arrêter? Je pense que si on a joué les prolongations, on a ajouté une semaine, je crois que selon la loi, c'est 24 heures non, avant ou bien 48 heures avant. Donc la campagne devait continuer. Qui plus est, on a même arrêté cette campagne électorale 3 jours avant. Donc, il y a déjà ce retard. Et ensuite, non, ça participe de méthodes dilatoires, en fait, pour pouvoir vraiment faire des collectifs. Le pouvoir est en train de jouer un jeu trouble. Et je crois que le grand marionnettiste reste quand même le locataire du Palais de la Nation. On nous avait accordé 5 minutes pour terminer l'émission. Les 5 minutes sont achevées. On va donc donner l'antenne à la régie pour continuer le reste du programme ici de Zélo. On aurait pu donc discuter encore plus sur la question. Mais nous sommes au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Abdoulaye Tao, de l'économiste du FASO. Alors... Dieudonné Zumbrana de Aujourd'hui au Faso, Dabadi Zumbara du journal Le Pays et Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.